Oui, je crois d'abord que la stabilité fiscale, c'est extrêmement important. Et donc, il faut faire des. On a fait des réformes, hein, et il faut faire très attention à pas faire marche arrière de façon impulsive ou non réfléchie. Et vous avez... Moi, j'ai regardé des exemples étrangers d'ajustements budgétaires très violents. Et par exemple, l'exemple suédois dans les années 90, la Suède passe en 4 ans de 11% du PIB de déficit public à 1% du PIB d'excédent. Et sans aucun effet négatif sur la croissance et avec une baisse importante du taux de chômage. Comment ils ont fait ça? Eh ben, d'abord, ils ont négocié en amont extrêmement longtemps. Pendant des années, oui. Ils ont et donc c'est y a le vote au Parlement sur les éléments de ces réformes a été positif. À réforme 75%. Des retraites, hein, notamment. Alors réforme des retraites, réforme de l'assurance chômage, réforme de la santé, etc. Oui, les piliers du modèle social. Et un paquet de privatisations hein, aussi. Mm-hmm. Et puis le gros de la réforme, c'était une réforme structurelle de l'État qui a complètement changé la structure de l'État. Vous savez qu'en Suède, il y a plus que 4500 fonctionnaires, hein, et les salariés de l'État sont dans des agences qui ont une fonction très précise, sont des salariés de droit privé, ont des budgets pluriannuels et sont évalués très régulièrement sur leur efficacité, la nature des dépenses, etc. Votre exemple confirmerait que l'effet ricardien n'est pas une vue de l'esprit, que ça existe. Non. Ok, ben l'exemple suédois est merveilleux. C'est marrant, j'ai l'impression qu'il est absolument intransposable chez nous. Je ne sais pas pourquoi. L'intuition. Mais il n'y a même aucun débat, mais Erwan l'évoquait, il n'y a aucun débat sur comment on peut éviter l'effet récessif d'un programme d'ajustement fiscal. Ah non, il n'y a pas de débat. Il n'y a même aucune réflexion sur les exemples historiques étrangers, sur ce qu'il faut faire et pas faire.